Thank you.
avant tout se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Au revoir. C'est génial, mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, pas. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi. Allez, copain. Allez, bien joué. Allez. Waouh, j'ai fait un strike. Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah. Hé, hey, regardez, copain. Hey, oh, c'est drôle, hein. Regardez en temps plan. Je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé, la clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copain. Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah! Tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. Hein? La clé! Où est la clé? Mais ça veut dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, on n'a pas le dire. Hé, hey, copain! Bonjour, copain! Il va nous lâcher, celui-là! Ça respire la liberté par ici! La papate! La papate! Je vous donne la papate! Oh! Oh! T'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène. Hé, hey, copain, copain, revenez. Je ne sais pas d'accord aujourd'hui.
ordre serré vers la douche. En avant, marche. Gaffe à la flaque. Super marrant, Brian. Je suis explosée de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. Repos. Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage pas loin. Exact. Il y a Brian. Je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage. D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que t'as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super. Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff. Alors, ça fait quoi d'être propre? Brian? Je suis mort de rire. Ben, où il est? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clown au petit-déj? Les gars? Où? Il était là il y a 2 minutes. Brian! Brian! T'es où? Allez, c'est bon. Brian! Arrêtez votre jeu débile. Brian! Hein? Brian, c'est plus marrant à la fin. Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue! Je suis invisible! Brian! Allez, oh! En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. Montre-toi! Matt, le pâté dans ton lait chaud ce matin, c'était moi. Incroyable! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rien? Génial! Brian! Pas de problème. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Où est Brian? Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein? Ça alors. Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sou neuf d'ici 1 heure, ce sera triple corvée de... Alors, c'est qui le roi de l'éclate ici? On doit absolument retrouver Brian. J'ai pas envie de me coltiner 3 tonnes de vaisselle. Pauvre Hippolyte. Et ça fait mal quand je touche? Non. C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte. C'était pas un courant d'air, c'était Brian. Ce genre d'idiotie, c'est tout à fait lui. Allons, ne soyez pas trop dur avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez. Et ça, c'est fragile? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable, cette histoire. Il a disparu comme ça. Envolé. Vous en faites pas, il reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Hippolyte qu'il s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon? Pourquoi? Parce que Matt a promis à Hippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super sable. Vous nous aidez à retrouver Brian? Oh, yes! Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer.
Annette, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir gentil. Hop. Oh. Aidez-moi les copains, je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool. C'est fou ça, il est vraiment nulle part. T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar. Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sens-moi ça et cherche. Bingo! Il file tout droit vers la cabane des jumelles. Brian? Hé! Hey! Mon parfum! Mais il est pas bien ton écureuil! On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian! Brian? Non, il est pas là. Malik, Greta! Peut-être qu'il est sous l'évier. Faut que je trouve un moyen pour qu'il m'entende. Yes! C'est quoi cette odeur? On dirait... Ça marche! Je suis un génie! Mais revenez, bande de nuls! Vous comprenez pas le morse ou quoi? Matt! Lisa! Il y a un fantôme dans le camp! Un fantôme qui pue en plus! Mais alors c'est... C'est le fantôme de Brian! Mais ce serait terrible! Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose! En même temps, je vois pas quoi! À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus! Ah, j'ai fait ça? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité, là. Ouais, Matt, raconte-nous un peu. Oui, bon, disons que je suis tombée par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi? Ça disait que le savon faisait partir la saleté. Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous. L'heure est écoulée, mon petit bonhomme. Alors, où est Brian? On ne veut pas parler, hein? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle. Arrêtez, je vais tout vous dire! Brian ne peut pas se montrer! Tiens, tiens, on sait quelque chose? Oui, il a été désintégré par un savon! Très drôle! Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik. Si je comprends bien, vous le protégez tous. Brian! Je sais que tu m'entends! Bah évidemment, je suis pas sourd! Sors de ta cachette, petit froussard! Moi, froussard? Vous avez vu ça, les gars? C'était peut-être une météorite. Si Brian n'est pas là quand je reviens, c'est 12 corvées de vaisselle pour tout le monde! Brian? Elle peut me voir? Hé, hey, je suis là! Mais oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon? On se rase avec de l'eau. Très drôle, les gars. Alors, Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain? Mais... Trop cool! Je suis redevenue visible! Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé! Voyons, madame la directrice! Il est sensible, je vous le rappelle! Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner, ou pire, à prendre une douche par exemple! La forêt pour un enfant, c'est dangereux! Il y a des ronces, des sangliers!
Cuillère de terre venimeux. Saki, savon. Je l'ai trouvé dans la douche. Il a survécu au ver de terre venimeux. Dans mes bras, mon petit. Oups. Désolé, je l'ai pas fait exprès. J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux. Pour la peine, tu auras... Hippolyte. Mes félicitations. C'est toi le plus drôle. Bon, eh ben, je vous laisse, hein, j'ai trop de travail. Tiens, où est Matt? Je vais pouvoir espionner tout le monde. Va y avoir du scoop dans mon blog. Bizarre, il était presque plein tout à l'heure. Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Oh, Flapacha? Oh, Flapacha, t'es pas partageur! Tube d'essai, la voiture du propriétaire. C'est le proprio. Il y a une très étrange créature qui l'accompagne. Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-porc, mi-singe. Ouais, elle est pas mal, la tôle. Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs, complètement détruit la moquette et mis le feu à deux ou trois matelas, on sentira comme chez nous. Moi et ma bande, on emménagera demain. Des motards. Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser. Oh, ils vont tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de grès. Ils vont, ils se moucheront leurs naseaux avec mes mouchoirs en dentelle. Ils stockeront les ordures dans la baignoire. Et ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils. Que vont penser de nous, les voisins? Hey! Il y a pourtant un endroit évident où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains. Oh, ça a trompé? Non, le plus simple est de nous rendre dans le passé. Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps qui nous conduira, nous et la maison, dans un lointain passé, dans un monde meilleur, dans un paradis terrestre retrouvé. Prenez garde, bande d'inconscients. Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps pédalera dans la choucroute du destin. Oh. Ah, c'est pas croyable, les âneries qu'il peut sortir dans son sommeil. Les âneries. Ok, messieurs, chaque seconde nous est comptée. Aussi, nous perdrons pas de temps. L'avenir est à nous. Alors, fonçons la tête la première vers le passé. Oui, commandant, un beau ordre. On y va, messieurs, on y va! Touche à la télévision et je pourrai bientôt la regarder à travers toi. Je suis juste venu faire le ménage, chasser un petit peu la poussière. Ça va, toi? Voilà le travail. Mon chef-d'œuvre. Elle est super, non?
le présent désormais sera de l'histoire ancienne. J'ai réussi! On a fait un bond de près de 3 siècles en arrière! Excellent! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature. Waouh! Magnifique, c'est vachement sublime. Oui, et c'est d'une propreté! Pas de voiture, pas de bruit, ni de propriétaire à moitié cinglé. Oui, Stereo, tu as raison. Car, vois-tu, l'homme d'il y a quelques siècles n'avait pas encore perdu la tête. Au pire, était-il un peu ignorant? Tu n'es pas devenu fou, Zeke? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Nous sommes perdus sur cette banlieue de plage sans aucun espoir. Notre bateau est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs. Nous n'avons ni eau ni vivre. Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir, nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruels et assoiffés de sang. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'avais pas raison? C'est super! Oui, c'est divin! Le bonheur absolu! Oh, c'est trop cool! Le pied intégral! Oh, Jed, tu vois ce que je vois? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de garder la foi. Et on finit toujours par être récompensé. Vas-y, t'es qu'un gros mulet débile, mais tu disais vrai. Bon, alors on y va? On y va. Allons-y. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces deux oiseaux? On n'est pas au dancing ici! Ah! Moi, je dis que ta grande idée, elle pue. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein? Je reste convaincu que ces pionniers rudes et travailleurs feront d'excellents compagnons. Stereo, va faire chauffer le SMTV. Je sais comment procéder. Vous avez l'air épuisé, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Une sorcière! Ils sont accueillants et ils ont tout de suite tenu à lui montrer leurs coutumes. Oui. Eh bien, Stereo, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser. Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur. Je te le dis comme je le pense, Zeke. Y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps. Oh, ça pour sûr, oui, c'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les orties. Excusez-nous. Ça a l'air appétissant, votre cuisine. On peut se joindre à vous? Oh, c'est lui, Stereo est de retour. Je me demande comment ça a marché. Oh. Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion. Et vous verrez de quel bois je me chauffe. Hey. Des sauvages! Non, posez vos bâtons qui crachent le feu. Nous êtres sauvages pacifiques. Qui fume calumet de la paix? Doit se joindre à tribut pour grande fête de petit-déj avec céréales. Inclinons-nous maintenant devant ce festin et remercions les dieux Corn et Flakes, grand Manitou du Muesli. Oh, oh.
Il sent bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps. Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur. Je vous avais prévenu. Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps dérapent toujours dans la choucroute du destin. Ferme-la! Soit-elle, rien ne vaut sa maison.